La revendication du jour, c'est l'abandon des mesures de la réforme du choc des savoirs, qu'on appelle le choc des savoirs. Au collège, c'est surtout les groupes de niveau, que nous on appelle un simple tri social des élèves, qu'on refuse, que la profession refuse. Alors, c'est pas qu'on a peur, en fait, on sait que ça marche pas. C'est-à-dire que c'est des pratiques qui se faisaient il y a longtemps, qu'on a abandonné parce que l'institution elle-même, les ministères successifs ont démontré que ça ne marchait pas. Les études, les sciences de l'éducation montrent que ça ne marche pas. Après, il n'y a pas que les groupes de niveau. Hein. Il y a tout un ensemble de mesures qui touchent aussi le premier degré sur des pratiques caporalisées, avec des manuels labellisés. Il y a un fonctionnement de l'école qui vient d'en haut au mépris de l'expertise de terrain. Il y a une démocratie qui est un petit peu en panne dans l'institution. C'est-à-dire que on n'est pas écouté et de toute façon, c'est pas la volonté de l'institution qu'un projet politique. Et nous, on a un projet éducatif. On n'a pas du tout les mêmes prérogatives, quoi.